Yo! Aujourd'hui, on va à Annecy, on va voir Émilie Bulldop. C'est pour ça qu'on est levé si tôt, c'est parce qu'il y a un petit peu de route. Ou une petite heure, hein, tout au plus, mais voilà. Et que Clem, elle a un shooting photo avec une meuf. Ouais, on se retrouve sans doute sur Annecy, je ne sais pas où, je ne sais pas quand et je ne sais pas avec qui. Mais à tout à l'heure. Non, mais lèche pas l'écran, enfin. Ah, ici, il y a la borne ticket là-bas. On est arrivé à Annecy, on va rejoindre Bulldop. Vous allez voir, je vais la filmer à son insu, ça va être marrant. Bon, on est arrivé depuis à peu près une heure, mais le temps que Clémence fasse ses photos avec les deux petites tréchous, bah voilà, c'est fait. Et là, on vient de se rendre compte qu'il faut mettre un ticket sur le parking, donc on va aller faire ça. Hein, on fait ça ou pas? Ou on fraude? Tu veux qu'on fraude? On fraude? Je pense qu'on va frauder. Dans le soleil. Ah, et à l'ombre, non? En fait, t'es beau partout. Ah oui, on est un petit cyclable. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Tu veux pas pire là-bas? Allez, porte-moi ma barre. Merci beaucoup. Ton sac? Oh, struggle. Yeah, very much. Very much. Yeah. Alors, on est pas sage? Attends, tu peux là. Là, j'ai les deux mains prises. Je pensais pas qu'elle allait y aller. Bah, on faisait que de se balader et là, surprise, elle a sauté toute seule. Je suis trempée. Elle vous laisse baigner avec sa maman. Il est beau le lac d'Annecy. Même s'il est plus petit que le lac de Savoie, mais. Oui, il y a le lac Léman qui est à juste. Enfin, c'est bon, je sais. Ah, des bibis. Regardez, il monte ses fesses. On est chez Amy, on va prendre de quoi se baigner et on va aller dans un coin où il n'y a personne parce que les touristes non merci. Allô. Tu fais un petit peu flusquet. Ouais, là c'est pas le cas. Non. Voilà, on est chez Amy, on s'est changé, j'ai mis un short de bain gris, sublime. Ça va que c'est pour aller se baigner, ça c'est mon dos. J'ai un peu rougi hein, là. On va se filmer un peu à nu. Au bord de... C'est quoi? C'est au bord d'un lac, dans l'eau. Du fier. Du quoi? Du fier. Du fier. Ça y est, on s'approche du lac. À mon avis, c'est effectivement un peu paumé puisque il n'y a pas grand monde. C'est quoi? C'est un mar... C'est quoi? C'est une rivière. Donc elle sera très froide. Et j'aime beaucoup le paysage derrière. Parce qu'il y a plein d'arbres, c'est très beau. Je suis avec Émilie et Clem et tout à l'heure on va voir Baptiste, mon ami Lerd, qui a lui-même aussi un terrain en Écosse. Ce qui est ravissant. Tu préfères Baptiste ou quoi? J'aime bien Baptiste, il n'y a pas de préférence. Tu préfères un peu de sel? Mais c'est sûr que c'est pas raciste.
C'est que lui, au moins, il a un pays. Ici, nous avons tout pour survivre, pour faire de la survie en pleine nature. Faut manger ça. Ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Ça soigne les rhumatismes. Bon, maintenant, je vais aller boire l'eau de la rivière. Il y a des trucs qui me sucent les jambes. Il y a des trucs qui me sucent les jambes. Attends, je te zoome la gueule. Eh, pas de gros plan, hein. Sinon, je mets quoi? Monte tes pieds. Parce qu'il y a des fétichistes sur YouTube. C'est vrai qu'une fois, on m'a demandé ça. À moi, on me demande tout le temps. Ah, je me suis encore fait pipi. Manger par un truc. Oui. Je suis le seul ici à avoir mis mon corps dans l'eau. Un petit mot. Attends, focus. C'était très bon. Tu t'es fait bouffer? Je me suis fait sucer. Là. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il était sur le mollet, ouais. Hey, toutou! Alors, on fait une bonne phase des mines. Pardon. Oui. Inca pute! Wouhou! Wouhou! Bon bah du coup ce soir, je m'adresse au vlog, hein. Avec ta mère. On va manger chinois-japonais avec Baptiste je suppose. Oui. Avec Baptiste, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, le copain aux yeux bleus de Emily. Et voilà. C'est un New China, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un New China, comme chez nous mais chez eux, à Annecy. Et là je joue avec le toutou qui est là, qui est pas très sage. Alors Émilie, quel est ton avis sur cet après-midi? C'était trop bien. C'est vrai? Oui. Même si ton chien t'a pourri mes bien baskets. Pourri la basket. Oui. En même temps, tu nous emmènes pas dans un lieu où ça, quoi que les miennes survivent assez bien. Heureusement que j'ai mis les pourris. Mais faut pas mettre. Mais les... moi, t'as vu la marque de mes chaussures? Quitte-toi. Ah, c'est les Chinois ça. C'est toi qui as mis les pieds sur les chaussures de maman. Quitte-toi. Elle est belle, hein? Oh là là, la blessure de guerre. Oui, mais en me prenant la balle, j'ai pris le petit bout de bois là que mon doigt touche à la caméra. Ok. Avec Émilie, on se fait une citronnade maison, mais le shaker il marche pas. Mais t'es sûr que c'est pas parce que tu sais pas le faire? Ouais, je t'assure. Pas grave, les glaçons ils vont fondre tout seul avec la chaleur de dehors. On va se poser dans le jardin, on va jouer aux cartes et puis vers 19h et quelques, il y a peut-être 20h. Il y a Baptiste qui nous rejoint et on va manger au New China, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, place à la détente. Ah, mais ça va, oui. Regardez, il y a Baptiste qui nous a rejoint, vous vous souvenez, c'est le Lord aux yeux bleus. Le Lord, le numéro 1, par contre, j'aimerais un préciser. Ça y est, on est au New China, regardez. Ah, on va manger, on va voir si c'est la même chose et surtout, est-ce que c'est meilleur ou pas. Est-ce que c'est les mêmes serveurs? En tout cas, c'est les mêmes serviettes, hein. Serviette. Allez. On y va, j'ai faim. Coïncidence, je ne pense pas. Ça arrive qu'on n'ait pas grand chose à dire dans les vlogs, excusez-moi. Ça
Putain, j'ai mis les doigts dans une prise, ça y est, on a fini de manger, on va rentrer sur Grenoble tranquillement. Attends, j'essaie d'avoir tout le monde. C'est bon. On a mangé comme des gras là, vraiment j'ai le ventre lourd, vraiment. Ouais, ça va être très dur de conduire. On a fait un concours de celle qui a le copain le plus toqué. Je crois que j'ai gagné, même si il est pas mal dans son genre quoi. C'est pas que tu crois, c'est que tu es sûr. Ouais, c'est moi. Allez, bonne nuit les abonnés, au revoir. On dit au revoir tout le monde, au revoir. Chérie, j'ai mes lentilles, je joue pas. Au revoir, dis au revoir Clémence. Au revoir, dites au revoir, dites au revoir, mieux, au revoir, mieux que ça, au revoir, mieux que ça. Au revoir. Faites mieux. Et on leur dit à bientôt parce qu'on va les inviter à dormir chez nous la semaine pro. Allez, salut. Ouais, enfin les bisous. C'est l'heure d'aller chercher les courses qu'on a commandées hier à 2h du mat, je crois. Les courses en ligne, hein, et rien de plus facile. Ah, Hippolyte, oui. Et du coup, ben, on va aller les chercher. C'est à Carrefour. On aime bien faire ça, ça évite d'avoir à être avec tous les gens pendant qu'on fait nos courses, quoi, tout simplement. C'est vrai que c'est le truc un peu chiant, c'est se retrouver dans un centre commercial avec un monde fou. Surtout qu'on est samedi, donc samedi, il y a du monde fou, ouais. Je suis en train d'essayer d'attraper un débardeur en même temps que je vous parle. Et donc, on va aller chercher tout ça. Et aujourd'hui, c'est la Suède. Regardez ça. Sublime, hein. C'est des couleurs assez spéciales, mais moi, j'aime bien. On est rentré des courses, ça y est, j'ai même eu le temps de manger un petit taco, c'est Clem, elle va manger ses nouilles. Oui, il y a Hippolyte entre mes jambes, voilà. Et là, je vais ouvrir la Woodbox que j'ai reçue ce mois-ci, il y a un lien dans la description si vous êtes intéressé. Ils vont même voir combien de personnes vont cliquer, alors on va voir, j'espère que vous serez beaucoup. C'est sur le thème de Breaking Bad, alors voyons ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas encore ouverte. Hein. Vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent, c'est carrément le van de Breaking Bad. Faut imaginer, hein, voilà. Alors, qu'avons-nous? La notice, à ne pas regarder pour l'instant. Une pop. Ouais! Bon, ça n'a rien à voir avec Breaking Bad en fait, mais Harley Quinn de Suicide Squad. Sublime, elle est très stylée, je suis très content. Là, c'est un manga, alors c'est le genre de truc que j'en ai rien à faire. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le en commentaire, peut-être que je le ferai gagner. Pourquoi pas, si ça vous botte en tout cas. Alors ça a l'air d'être un drapeau, un truc comme ça. Ouais, c'est un drapeau de One Piece. Je crois que c'est One Piece ça. Oui, c'est carrément One Piece. Pareil, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, hein, parce que moi, au lieu de les garder dans un sac, je préfère vous les offrir, quoi. Et ça, c'est un t-shirt de Sauron. Alors, je vois pas trop le style que c'est. Sauron Strikes Back, This Winter. Bon, bah c'est carrément de Lord of the Rings. Très joli aussi. Et il y a le fameux badge, cette fois-ci, ça c'est bien Breaking Bad. Très très beau. Enfin, c'est pas un badge, c'est un pins, hein. Attention, ne faisons pas l'erreur. Avec la tête d'Heisenberg. Voilà, le mois d'août. You flatter yourself. I would have created a paradise. The city belongs to the people. You are but one man. J'ai fini Assassin's Creed. You were. Oui, je vous avais pas dit, il y a tout le monde qui vient à la maison ce soir parce que je sais plus pourquoi. Si, il y a la copine de Dimitri qui est là et du coup elle voulait voir un peu tout le monde, alors on attend encore Félix, mais il y a déjà René, sa copine, Dimitri, sa meuf, et moi et Clem. Et on va faire une soirée sympa, on va manger, jeux vidéo, non pas jeux vidéo, jeux de société, comme d'hab quoi. Hein. Un petit peu en mode vieux en fait. Faut que je change ma batterie, vous clignotez là, attendez. On joue à qui est-ce? Vous savez ce jeu où à chaque fois que je gagne, Clémence elle dit que j'ai triché.
Alors je remonte ça pour pouvoir vous filmer vous. Est-ce que ça marche? Bah non, on va se voir. Mais non, moi je non, me suis c'est pas trop loin, c'est trop loin. Ah mais moi je suis con, je peux faire ça. Bah oui, tu peux faire ça. Regardez comment on a vraiment l'air de gros débiles quoi. Bah on n'attend pas Félix, on n'attend plus Félix en fait. Hein? Il est toujours. Bah alors, il est toujours pas. On n'attend pas Félix. S'il n'y a pas le focus, je peux pas vérifier, c'est pas grave. Désolé. Il y a le focus. Merci Amy par contre. On attend Félix. Amy, tu veux distribuer? Ah ouais. Je suis là. Il y a beaucoup de gens. Merci. Mmh, alors, miam, miam, miam. Moi, je mange d'abord le chocolat et vous, comment j'ai vous faites joué, pareil, pareil. Ouais. Okay. Et puis après, on mange la vanille parce que c'est le moins bon. Hein, c'est vrai, la vanille, c'est le moins bon. C'est pas grave. Et là, on joue au loup-garou. Ouais. Alors, il y a Oh, attends, j'ai une coiffure de nazi. On peut avoir une deuxième chance? Merci. Merci. Voilà, on joue au loup-garou. C'est... Il faut un maître du jeu ou pas? Oui. C'est ouais, c'est Clément, c'est un maître du jeu. Maîtresse de jeu. Et voilà. Je fais tout. C'est pas évident. Donc tu vas affronter la plus battante. Absolument. Comme ça, moi, je crois au jeu. Tu vas mettre le kawaii sur ton sac ou sur toi? Je vais mettre le kawaii. Je vais mettre le sac en premier et le kawaii ensuite. Tu vois. Ouais, mais ça va rentrer dans du 12 ans. Il y a un peu moins de vent, mais il y a quand même pas mal de vent. La première étape. Moi, j'irai pas, moi. Toi, tu dirais non. Non. Pour écouler, non. Je mets le sac en premier, vous allez voir. Hop là. Fais un petit tuto. Explique allez, comment tu mets sur tes épaules et tout. Ensuite, je mets le kawaii comme si j'étais sur Notre-Dame. Le trépied se pète pas la gueule. Hein. Ne t'inquiète pas. Attends, t'es sûr? Tu vois? Attends, je vais fermer un peu plus ton sac pour solidifier. Et voilà, il solidifie le. Je vais mettre ça pour Donc il faut de l'assistance en fait pour le refaire chez soi. Ne le refaites que si vous êtes encadré par des professionnels. Pas forcément, Romain, c'est un autre. Très bien, alors, t'es prêt avec ton parachute? Ouais, je suis prêt. Mets la capuche, s'il te plaît. J'y mets la capuche, s'il te plaît. Bon, je vais pas assez autant parce que sinon je vais avoir un accident de voiture en fait. Un accident de vélo, hein. Je vais mourir. Zan. Moi, j'en faudrais plus, je m'en vais les couilles, bien, ici. Hein. Le matos est en sécurité. Donc, il faut savoir qu'il y a un verre d'eau qui reste toujours sur la table là. Parce que Hippolyte boit dans un verre et pas dans une gamelle d'eau. Elle peut pas boire dans une gamelle d'eau, elle boit que dans des verres. Voilà. Bon, allez, au revoir. Au revoir. C'est la fin du vlog. C'est la fin du vlog, ça met. Alors, tout le monde dit au revoir. On la frotte la pluie, c'est bien. On est content. Hippolyte aussi, au revoir. Au revoir tout le monde. Ravioli chinois avec des pâtes. Ouais. Je vois pas tout le monde. Au revoir, fin du vlog. Ciao, ciao. Bye bye. C'est une fin un peu longue, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas professionnelle.